Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir à la station Ozone chez Mola pour accueillir une autrice connue et reconnue maintenant, Marion Montaigne. Bonjour à toi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, on aura l'occasion de revenir sur certains des titres que vous avez peut-être déjà lus, à savoir Tu mourras moins bête, la série qui t'a révélé au grand public, à savoir aussi, bien sûr, Dans la combi de Thomas Pesquet. Best-seller, on peut le dire maintenant. Quand on a plus de 500 000 exemplaires vendus, je crois qu'on peut parler de best-seller. D'accord. Et ce nouveau titre qui est juste devant nous et qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle Nos mondes perdus, toujours publié chez Dargo. La première question, c'est finalement, je ne sais pas si vous l'avez encore lu, mais quand on ouvre le livre, les premières pages, on te voit enfant devant Jurassic Park pour la cinquième fois, toujours aussi terrorisé. C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire parce que la base du projet, c'est comment on sait à quoi ressemble le dinosaure, comment, par quel processus on a compris qu'un dinosaure était un dinosaure. Et je suis partie, moi, de l'image que j'ai à mon âge, vieil âge, qui est le même depuis 30 ans, c'est-à-dire celui que m'a mis dans la tête Jurassic Park. Et c'est normal parce que ça m'a marqué, ça m'a impressionné. Et puis après, je voulais savoir comment les artistes avaient conçu les marionnettes ou les images 3D. Et donc, c'est toute une enquête comme ça sur comment l'humanité a compris ce qu'étaient des dinosaures. Et une réflexion aussi sur moi en tant qu'artiste qui me suis demandé la question, est-ce que plus tard tu seras dessinatrice scientifique? Parce que je me suis posé la question, et c'est une catégorie de dessin qu'on peut apprendre à faire, que les gens l'ignorent, mais voilà. Faire dessinatrice juste de... Pas de, oui, de science, quoi. Ouais, juste de science. Et après, on spécialise. Il y a ceux qui font le médical pour les opérations chirurgicales, animales, dinosaures. Spécialiste des dinosaures, du dessin de dinosaures. Ça existe. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est qu'on va faire des allers-retours. Et c'est la première fois que tu parles autant de toi. C'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours entre l'histoire des dinosaures, on va avoir l'occasion d'en parler, mais aussi l'histoire de Marion Montaigne, enfant, de Marion Montaigne qui galère au début, notamment en dessinant des livres pour enfants, et tu trouves ça beaucoup trop sage, et il n'y a pas assez de sang dans les livres pour enfants. Non, mais en fait, au début, je voulais faire un aller-retour avec moi, parce que je voulais aussi expliquer pourquoi, moi, la science, ça m'a aidé à grandir, à évoluer, tout comme... les humains, ça les a aussi aidés dans leur histoire. Donc, il y a un parallèle. Comment pour s'améliorer en tant qu'humain, on fait ce qu'on peut. On a différentes pistes, différentes lectures, on écoute des gens. Moi, c'est beaucoup la science. En fait, je parlais pas à beaucoup de gens, mais je lisais pas mal de livres. Et je cherchais toujours des réponses là-dedans. Et donc, c'est ce processus que je reprends avec moi aussi. Qui essaye de comprendre aussi la documentation dont je vous parle, parce que des fois j'en ai bavé, donc je le dis, des fois je ne comprends pas ce qui se passe. Et, je voulais montrer le processus aussi. Très vite, je me suis dit, mais il y a aussi comment on les représente qui va venir. Très vite, il y a des artistes qui vont être mis dans la boucle quand on a commencé à vouloir représenter les dinosaures. Et là, ça m'intéressait parce que c'est souvent des dessinateurs. C'est des problématiques que j'ai eues étudiante. Je comprends maintenant les dessins qui m'impressionnaient parce que je comprends les techniques, etc. Et c'est vraiment pas si facile pour eux. Ils avaient rien, quoi. Ils avaient dedans une côte et puis débrouille-toi pour me faire un animal qu'il a jamais vu, quoi. C'est impossible. À partir de ça, ils devaient tirer le fil et voir comment ils se déplaçaient à partir d'un ou deux os parfois. Oui, alors ça, c'est de l'anatomie comparée. Ils pouvaient se dire. Il y a plein d'indices qu'on trouve chez les animaux dans la structure anatomique. C'est Cuvier qui l'a montré. Si vous avez des sabots, vous avez des sabots, on sait que vous n'aurez pas des crocs, par exemple. C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'explique que dans certaines chimères, dans la fantasy, l'héroïque fantasy, c'est anatomiquement comparé. Pour Cuvier, ça devrait le faire retourner dans sa tombe, parce que si vous avez des sabots, vous ne pouvez pas être carnivore. Ça veut dire que vous n'accrochez pas une proie. Enfin, il y a vraiment des organes qu'on appelle d'autres. Donc,
Et c'est comme ça aussi, par déduction, que rien qu'avec quelques os, ils se disent, bon, bah, si, s'il y a une crête comme ça, ça veut dire qu'il y a un muscle qui se fixe là, et petit à petit, ils ont déduisent des choses incroyables. Le paléontologue que j'ai vu, alors, petite aparté, que j'ai vu au Muséum d'Histoire Naturelle, lui, par exemple, maintenant, en ce moment, ce qui l'embête, c'est le Diplodocus, qui est dans la galerie de paléontologie, parce qu'il dit, ah, j'aimerais bien lui pencher la tête de 20 degrés. Alors, je sais plus si c'est dans quel, comme ça ou comme ça. Pourquoi et il me fait bah maintenant avec on peut scanner l'oreille interne et on sait quel était l'angle de la tête. Donc il y a plein de trucs qui peuvent déduire plein de choses avec des micro-indices dont on ne pense même pas. Là, et lui il peut vous dire à quel niveau sont les plumes, où est-ce que ça s'arrête. C'est fou, c'est plein de petits détails comme ça, mais il a fallu apprendre à les interpréter déjà avec ce qui existait. En connaissant bien la nature et ensuite pour en déduire ce qu'on voyait en fait. Vous avez compris, on est toujours dans une bande dessinée scientifique, oui. Ce qui a fait ta marque de fabrique avec toujours beaucoup d'humour évidemment, on va sans doute y revenir. Mais il y a toute une galerie comme ça de portraits de scientifiques, de paléontologues. Le premier qu'on découvre, c'est Monsieur Buffon. Cocorico, c'était un Français. Ah, Cocorico, bon, enfin, il a raté plusieurs fois le coche de découvrir les dinosaures. On lui a envoyé plusieurs fois des os. Il a dit non, mais ça, c'est un hippopotame, ou un truc comme ça. Il s'est planté aussi plusieurs fois. Donc, il a raté plusieurs fois l'occasion de comprendre. Enfin, bah, c'est pas évident non plus. Vous avez un os qui ressemble à celui d'un éléphant. Bah, vous dites c'est un éléphant. Vous vous dites pas c'est un mammouth. Enfin, voilà, c'est très difficile à concevoir. Mais Buffon a été l'un des premiers à mettre un peu d'ordre scientifique dans le désordre de la nature. C'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de science nat. Les animaux, c'était flou, on les connaissait pas tous. Puis on disait des trucs. Le chat, par exemple, c'était un peu un truc du diable. C'était un comme il était un peu futé, un peu malin, mais félin. On disait que c'était le singe qui s'était accouplé avec le lion dans l'Arche de Noé. Où certains disaient que on comprenait pas très bien comment se reproduisaient certaines espèces. Donc il y a des livres hallucinants qui disent que les poissons c'est les feuilles d'arbres qui tombent dans l'eau et que si vous mettez dans un seau de la poussière de l'eau et de l'urine et que vous bouchez vous aurez une génération spontanée d'insectes. En fait on comprenait pas encore le microscopique ou les choses comme ça. Donc lui il a commencé déjà à classer, à faire une grosse encyclopédie où il classait tous les animaux vivants qu'on connaissait ou qu'on découvrait. Et il faut au moins ça pour ensuite pouvoir dire que certains, bah c'est bizarre, ils n'entrent même pas dans les catégories qu'on a trouvées. Donc on a commencé à se poser des questions. C'est aussi lui qui remet en question l'âge de la Terre. Alors lui, c'est assez ambitieux à une époque où tout le monde pensait que la Terre avait été créée il y a 4000 ans, tout parfaitement, vous, moi... Enfin, on est né plus tard, mais on est un humain parfait, supérieur aux animaux. Les arbres ne bougent pas. Ils ont été créés comme ça, dans un moule à arbres et tout. Lui, il s'est dit, je pense... il venait après Descartes, il s'est dit, je pense qu'en fait, la Terre, elle a été percutée. C'est le Soleil qui a été percuté par un objet céleste. Et ça a dû se refroidir. Ça fait une boule qui s'est refroidie. Donc il s'est dit, comme c'est impossible pour faire l'expérimentation de créer une planète et d'attendre 3 millions d'années pour voir si elle refroidit, bah lui, il a demandé à son forgeron de créer des petites boules et il a calculé le temps qu'elle mettait pour refroidir à peu près, pour être vivable. Donc il a dû se brûler plusieurs fois. Mais après, comme on connaissait la taille de la Terre, il en a déduit le temps que ça aurait pris pour qu'elle elle refroidisse. Et là, il est tombé sur des chiffres qui ne collaient pas du tout avec la Bible. Donc, il les a un peu minimisés. Mais en fait, il savait très bien que ça allait jusqu'à des millions d'années. Et ça, c'était inconcevable. C'est comme si on vous rajoutait une cinquième dimension en parallèle. Là, ça, c'était très dur à encaisser pour eux. Oui, parce qu'en plus, tu parles de la Bible. Tu parlais tout à l'heure de l'Arche de Noé. Mais il faut quand même se rappeler qu'à cette époque, la dimension religieuse est très importante et dicte aussi beaucoup, beaucoup de préceptes scientifiques. Bah oui, c'est normal parce que vous débarquez sur Terre comme ça. On était des primates. Enfin, on nous a rien expliqué. On nous a pas donné le mode d'emploi de pourquoi on est là, comment marchent les saisons, etc. Il faut bien qu'on se donne des explications. Donc, on a créé des mythes, des histoires,
des religions. C'est tout à fait normal, mais petit à petit, on s'est demandé, on commence à comprendre comment les choses de la physique, comment on marche. Est-ce qu'on pourrait pas le tester un peu pour aller plus loin et bizarrement, la science ne collait pas toujours trop à la Bible, donc ça a été un peu douloureux. On parlait du français, il y a évidemment plein de nationalités. On croise Monsieur Jefferson, l'américain. Alors, il y a... Ouais, c'est la BD. Je m'excuse d'être un peu occidentaux centré, mais on aurait pu faire une autre BD plus en Asie, parce qu'il y a pas mal de découvertes sur les dinosaures. Mais du côté du vieux continent, ouais, il y a Jefferson qui a pas mal contribué à trouver beaucoup d'os, parce que Buffon, de manière totalement gratuite et... Enfin, pas gratuite, mais un peu gonflée, parce qu'il a jamais mis les pieds aux États-Unis. Il a fait tout un chapitre dans son encyclopédie pour dire que l'Amérique, c'était pourri. C'était froid, c'était humide, c'était un grand marécage nul. Tous les animaux étaient dégénérés. Les chiens étaient plus petits que l'équivalent européen. L'Indien, il s'en prend plein les dents. Il est complètement mou. Il n'a pas de force, il n'a pas de muscle, il n'a pas de vitalité. Même les hommes donnent du lait. Il s'occupe pas de ses enfants. Enfin, je ne sais pas où il est allé chercher ça. Et Jefferson, il a été furieux et il a dit on va lui prouver à cette vieille grenouille que nous, non, on a des animaux vraiment costauds. Donc il a écrit plein de lettres à ses potes, notamment qui faisaient beaucoup de chasse, en leur disant ramenez-moi, envoyez-moi tous les animaux vraiment gros que vous chassez. Donc il a dû recevoir plein d'orignal ou je sais pas, des pumas, etc., mais dans un état de décomposition terrible. Mais il voulait les mesurer, il allait les mesurer dans tous les sens. Il en a envoyé à Buffon, qui semblait ne pas en avoir grand chose à faire, pour lui prouver, pour montrer aux Français, à la vieille Europe, que non, c'était un pays, c'était un continent où les animaux étaient vifs, on était forts. Et depuis, là, je pense que les Américains se sont bien vengés sur nous. Ils se sont bien montré qu'ils étaient forts, grands et puissants. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Il y a George Cuvier, William Smith, William Buckland. Je ne sais pas s'il y en a un sur lequel tu veux t'arrêter un petit peu plus que sur les autres, mais que tu estimes le plus important, parce que on va pas tout dévoiler, vous allez découvrir les autres portraits, mais il y en a peut-être un que tu as envie de mettre en avant et dont tu as envie de raconter un peu l'histoire. Ah, il y en a tellement. J'ai de la sympathie pour Buckland, parce que lui, il était croyant, il était ecclésiaste, mais il était complètement fou, il était taré, il mangeait tout. Il avait une ménagerie chez lui, il avait des animaux, des crocodiles qui se baladaient partout, et il aimait bien raconter qu'il mangeait tout. Il essayait de manger chaque animal qu'il avait chez lui. Et il a même il y a des livres où il dit, alors, le hérisson, c'est pas terrible. Le escargot en plus, et il détestait la taupe, c'est vraiment pas bon pour lui. Si vous aviez il faisait boire ses élèves, mais c'était un bon prof, mais il buvait beaucoup d'alcool pendant ses cours. Il réveillait sa femme en pleine nuit, tout d'un coup il se disait fais-moi une pâte à tarte, je vais vérifier un truc. Et là, en pleine nuit, il prend sa tortue, il la fait marcher sur la pâte à tarte pour vérifier les traces de pas, et là ça le rendait dingue. Il a pu se rendre compte que des traces de. C'était bien des traces d'un reptile qu'il avait trouvé, etc. Et il était un peu barjot. D'ailleurs, il a fini un peu à l'asile, mais il était super bon. Et le problème, c'est que lui, il essayait de faire de la géologie, de la paléontologie, pour essayer de prouver que la Bible avait raison. Mais la paléontologie lui prouvait tout le temps qu'il avait tort. Alors, il était un peu désespéré. Et puis, c'est l'un des seuls qui a un peu aidé Marie Amin, qui est une jeune paléontologue qui, elle a découvert des trucs énormes, des ichthyosaures, des reptiles marins qui faisaient plusieurs mètres, et des os complets en plus. Et elle avait tout à fait le niveau, la compétence et même la compétence graphique, parce qu'elle faisait des dessins. Mais elle, comme c'était une femme, puis les pauvres, elle quittait pas son trou, elle était jamais conviée aux conférences qui parlaient de ses découvertes. Mais Buckland est peut-être l'un des rares à avoir essayé de la soutenir sur la fin, pour, même si elle est morte un peu seule et oubliée. Pour la réhabiliter un peu. Pour la réhabiliter un peu, mais en fait dans la mesure de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Faut pas non plus exagérer. Il y en a un autre qui se fait avoir, c'est Gideon Martel. Mantel. Ouais. Oui, Mantel. Le Mantel, il a pris cher parce que il était...
Il a très mal fini. Non, en fait, Ça te fait rire, en plus. Non, mais ça me fait rire parce que je crois que ils étaient tellement vaches entre eux que Owen a récupéré son squelette après coup pour le mettre dans son musée. C'est-à-dire, ils allaient assez loin dans les disputes. C'est comme si vous aviez, je sais pas. Non, je ne vais pas dire Michel Simès qui prend le squelette d'un autre médecin pour le mettre en exposition. Enfin, ça ne se fait pas. Enfin, mais c'était assez violent entre eux. Et Mantel, lui aussi, pareil, un peu comme lui, c'était un homme, mais c'était un médecin. Il arrivait à être un bon obstétricien et paléontologue sur son temps libre. Donc, il n'était pas toujours très pris au sérieux. Et lui, il a découvert, on raconte que c'est plutôt sa femme qui serait tombée sur une dent d'iguanodon, mais il s'est un peu approprié le truc, il l'a décrit, etc. Et il s'est un peu aussi disputé avec Buckland pour savoir lequel des deux avait trouvé le dinosaure le premier, quoi. Et ils se sont un peu battus en mode c'est le mien qui est le plus gros, en fait. Donc ils ont un peu exagéré toutes les tailles de manière un peu arbitraire aussi. Des trucs de 60 mètres qui pourraient même pas tenir bout de bout. Enfin, des dinosaures de 60 mètres. Ouais, c'est absurde. Oui, après ils se sont calmés, mais en fait ils savaient pas, ils faisaient des trucs un peu proportionnellement. Il prend, vous avez qu'une dent, donc vous faites. Il a fait tous les animaux. Il fait c'est une dent de reptile. Un bon anatomiste, il le voit. Nous, on voit rien, mais il le voit tout de suite. Ça ressemble à un râteau. Enfin non, même pas un truc triangulaire. Il a cherché partout dans ce qui existait, qui ressemblait le plus proche. Et il a enfin trouvé l'iguane, mais sauf que l'iguane, c'est une dent minuscule comme ça, et lui, il a un truc comme ça, donc il fait je multiplie, je prends en proportion, et là, ça donnait un truc un peu monstrueux. Et les dessinateurs, au début, ils dessinaient des gros lézards en proportion, quoi, mais en fait, c'était pas ça, parce que Owen a montré qu'ils étaient pas fichus pareil anatomiquement, et il les a. Il a montré que certains reptiles disparus, en fait, ont un bassin qui ressemble un peu à celui d'un mammifère. Donc, truc super bizarre, reptile et mammifère. En fait, il a le bassin dont les vertèbres sont un peu soudées au bout. Donc, ça voulait dire qu'il marchait debout, en fait. Donc un reptile qui a disparu, qui est énorme et qui marche debout, il commençait vraiment à flipper. Et là, c'est ça qu'on appelle un dinosaure, en fait. Oui, parce que c'est Owen qui a inventé ce. C'est lui qui a inventé le terme. Le terme de dinosaure. Et et pourtant, c'était un gars vraiment chelou aussi. Lui qui. En fait, il était nul à la base, à l'école. On lui disait qu'il irait nulle part. Il a quand même créé le mot le plus fun que tous les enfants vénèrent aujourd'hui. Alors, à l'époque, j'ai appris que les nuls, on les envoyait être chirurgiens parce que c'était lié un peu à la boucherie. Enfin, c'était pas comme médecin. Là, c'était vraiment de la mécanique. Donc, il est parti être apprenti chirurgien dans une prison. Ça devait être sympa. Et là, il a eu la révélation. Il a trouvé ça génial. Il a commencé à disséquer chez lui des petits trucs. Dans sa chambre, à récupérer des animaux morts. Aujourd'hui, on appellerait ça un psychopathe. Ou un dieu. Lui, il est connu aussi pour avoir fait un peu de zèle et étudiant, voulant faire ses devoirs. Il est allé rechercher une tête d'un cadavre et il l'a ramené chez lui. Et le problème, c'est que comme il neigeait, il a glissé, la tête a roulé dans le village. Et il a eu des problèmes. Mais bon. Ça met une mauvaise ambiance. Mais la passion peut mener à beaucoup d'excès. Bon, vous allez évidemment découvrir plein d'autres. Il y a plein de portraits dans le livre. Une question qu'on t'a souvent posée, mais tu n'as pas de formation scientifique à proprement parler. Comment tu travailles la documentation? Il y a la bibliographie à la fin. On peut aller lire d'autres livres si on a envie de t'étoffer la lecture de celui-là. Mais comment toi, tu travailles? Comment tu fais le choix des scientifiques que tu as mis en avant? Comment tu représentes les dinosaures? Parce que tu disais qu'on a souvent une image assez fausse, notamment à cause de Jurassic Park ou d'autres, de ce qu'étaient des dinosaures. Donc, je pense que sur les 2 ans que ça me prend, doit y avoir un an et demi, plus d'un an de documentation. J'essaye de comprendre. Quand je comprends pas, j'essaye de poser des questions à des spécialistes. Je fais relire, mais c'est un peu une obsession en mode comme une enquête. En fait, je suis un peu monomaniaque et là, je vais beaucoup me renseigner, beaucoup me documenter jusqu'à bien comprendre, essayer de bien comprendre tout et jusqu'à ce qu'il y ait, je comprenne à peu près la ligne directrice
Parce qu'évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus dense que ça l'est. Je pourrais avoir vous mettre 25 personnes autour de chaque personne qui l'a influencé, contredit, lutté. Donc il faut choisir des gens, des entités, mais aussi montrer aussi comment ils vivaient. Et ça, c'est ce que j'aime bien aussi. C'est un peu désacraliser la science, dire que moi, ça m'aide à appréhender un peu le monde, mais aussi que avant tout, c'est des humains qui se posaient des questions. Après, plus tard, on en a fait des bustes d'hommes barbus très sérieux, mais que... c'était pas toujours s'ils avaient des doutes, ils se sont fait des sales coups. Tout le monde n'était pas très jojo, donc c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu les coulisses parce que peut-être parce que moi je raconte que j'ai pas pu faire de science, donc il y avait une dans ma famille où on voyait les scientifiques, je pense, comme fallait être un génie pur, quoi. Et comme moi j'étais un peu besogneuse, c'était pas du tout. C'est pas parce que j'aimais ça que je pouvais le faire. C'est fallait vraiment être. Je pense qu'on se disait qu'il fallait être au niveau des grands pontes ou du premier de la classe. Et donc c'est un peu pour désacraliser. Je montre aussi que c'est avant tout la passion qui les faisait carburer plus que leur et l'argent aussi. Il y en a certains. il y en a certains. Ils ont réussi parce qu'ils étaient riches. Mais c'est des obstinés, quoi, qui ça montre aussi qu'il y a des sacrés obstinés qui n'étaient pas destinés à ça et qui l'ont fait quand même. Toi, t'étais pas destiné à ça non plus. Ben non, je vais faire de la logistique. Oui, BTS logistique, ta famille, tu racontes dans le livre, la famille voulait. T'as eu en BTS. Ah, ça a embauché, donc il fallait faire de la logistique. On regardait les 50 meilleures écoles qui embauchent, et puis voilà. Mais j'ai pas fait logistique. Je suis nul en logistique. Qu'est-ce qui te. Parce que tu parles beaucoup justement de cette documentation, du côté scientifique, du plaisir que tu prends. Est-ce que tu prends plus de plaisir finalement dans toute ta partie recherche, documentation, tri, que dans la partie dessin ou pas ? Non, c'est pas le même plaisir. La documentation, je recherche vraiment l'info que moi-même j'apprends et qui me surprend. Je suis vraiment contente quand j'en ai appris une bien bonne. Ça fait ma journée. Quand je sais pas, récemment j'ai appris que les tardigrades, des petits insectes, enfin ça y est, je pars dans tous les sens, voyager sur les escargots. Enfin, il y a des insectes pour eux, aller au bout du jardin, c'est traverser l'hyperespace. Et ben, ils y arrivent en se faisant manger par des escargots, comme ils sont très résistants, ils résistent, ils sont digérés et tout. Et à l'arrivée, ils sont ailleurs. C'est comme si un truc géant vous aspirait, puis vous survivez bon an mal an dans son estomac et vous vous réveillez sur Mars. C'est génial. Enfin, voilà, ce genre de truc, moi, ça me met en joie totale. Et quand je trouve des... Parce que aussi, c'est visuel et je sais qu'en BD, c'est super. Moi, ça m'amuse beaucoup. Donc, c'est que des infos un peu comme ça que je trouve hyper intéressante, que je cherche. Et je suis sûre qu'il y en a plein et ça me rend dingue. Quand je suis dans une bibliothèque, je me dis qu'il faut juste que je lise tout, mais je ne peux pas. Mais je cherche plein de trucs. Voilà. J'ai une vie passionnante. Cette passion pour la science, on découvre dans le livre qu'elle commence, comme pour beaucoup d'entre nous, mais dans cette séance de dissection de la grenouille au collège. Je pense que c'était avant, mais là, c'était là, le film. Un maman, plaisir. Ouais, moi, c'est mon côté, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant, alors que la trois quarts des gens sont dégoûtés. Moi, j'ai trouvé ça, mais hyper cool. Mais j'avais vraiment l'impression que pour, déjà, en tant qu'ado, j'avais peu de responsabilités, je me sentais un peu incapable, un peu plus qu'un enfant, mais beaucoup moins qu'un adulte. Et là, pour la première fois, on me confie un être vivant et on me dit de l'ouvrir. Et j'ai trouvé ça fou. Et en plus de regarder à l'intérieur, c'est comme si on me laissait regarder vraiment des trucs interdits. Enfin, je pense qu'il y a eu un rapport à la vérité, moi, qui m'épate. Et donc, je trouve que la nature, comme ça, la biologie, il y a un truc vraiment brut où vous allez regarder et il n'y a personne qui va s'intercaler pour vous dire « c'est pas ça, regarde pas ». Il y a du lourd. Après, tu vas élever tout un tas d'insectes, avoir des souris. Oui, mais je les ai pas décortiqués. Ça, je sais non, pas. C'est moi, ça, c'est mon côté biolo. Ouais, j'ai eu, on peut faire la liste. Souris, rat, phasme. Nadine, ma montre religieuse. Ta montre religieuse. Il y a eu Nadine 2 aussi, mais
Elle s'appelait Nadine 2. Deux, bah là, une et la deux, voilà. Ouais. Et puis, j'ai un chat sangsu aussi. J'ai pas fait exprès. Je voulais pêcher des têtards, j'ai eu des sangsues. Et après, tu les gardais ? Non, mais quand j'ai compris que je pourrais pas les nourrir correctement, je les ai relâchés. Mais je les regardais. J'aime bien les regarder évoluer. Des salamandres, je sais plus, des tortues. Mais encore aujourd'hui ? Non, je me suis un peu calmée parce que mon mari est pas fan que je doive élever des criquets pour nourrir Nadine parce que parfois ça fait un peu de bruit et il y en a qui s'échappent et vous avez un radiateur qui chante pendant 2 mois et voilà, vous savez tout. Et c'est sympa un grillon pendant 1 heure, mais à la fin c'est pénible. Quand vous regardez la télé, qui chante à côté. D'accord, c'est comme ça dans le salon quoi. Non, plus maintenant, j'ai réussi à... Non, Nadine est morte. Donc voilà. Remuez pas le couteau dans la plaie. Parlons de dessin, alors. Parce qu'on découvre, là aussi, comment, bon, comme beaucoup d'enfants, enfants allés le mercredi au cours de dessin. Déjà, là aussi, vous le voyez dans le livre. Au cours de BD. De BD, même de précisément, BD. Avec beaucoup de sang, déjà. Mais oui, je faisais que des gags qui finissaient... je faisais soit la version de la série Urgence, mais chez les animaux, vétérinaire. Donc évidemment, c'était que des opérations. Hein. On était sur un trauma, non pas un trauma, une fascination post-cours de biolo. Ou alors, je faisais Mulder et Scully qui découvraient tout le temps des cadavres bizarres, etc. Mais je pense qu'à l'adolescence, ça, pour avoir eu des stagiaires, il y a un truc comme ça, on n'est pas bien, faut qu'on évacue de l'agressivité ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai vu que je n'étais pas la seule, voilà. C'est normal, enfin, je crois. Mais non, je sais pas. Non, non, mais oui, c'était un peu le défouloir aussi. C'était le champ de liberté après le lycée, le collège, d'aller faire 2 heures de BD. Bon, après, mon prof de BD, il comprenait pas tous mes gags. Il était pas toujours fan de mes dessins, mais on le faisait à la Raon, quoi, c'est-à-dire... Non, c'était sa référence, sur des planches énormes, au pinceau. C'est ça, on était loin du trait qui va faire ta gloire, du trait Marion Montaigne, si identifiable. Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs étapes. Celui-là, c'est la dernière version, 2.0. Et tu penses que ça, il a changé ton trait depuis... Ah oui, il a changé, il depuis est Pesquet, un peu... depuis... Ben, en fait, je suis plus à l'aise à dessiner des dinosaures que des humains. Pesquet ressemble à une sorte d'archétype Tintin. En fait, c'est pas lui. Enfin, j'allais pas le dessiner hyper réaliste, j'y serais pas arrivé. Il me fallait un personnage assez expressif, charismatique. C'est presque un T, quoi. Enfin, il est comme ça tout le temps, parce qu'il est costaud. Et donc, c'est lui sans être lui. Ça, il représente aussi comme certaines anecdotes sont inspirés de d'autres astronautes, mais qu'ils ont en commun. C'est une sorte d'archétype de l'astronaute. Mais c'est vrai que je suis vachement plus à l'aise pour dessiner des animaux que des humains. Donc là, je me suis éclatée, ouais. Et ce trait-là, il naît quand ? Il naît après, quand tu fais une école d'art, les gobelins. C'est à ce moment-là que tu te débarrasses du dessin Raon, comme tu dis, pour arriver vers un dessin... Non, mais j'y arrivais pas, le dessin Raon. J'ai le dessin... En fait, pour moi, ça, c'est un dessin écriture. C'est un dessin que je fais quasiment pas aussi vite, mais qui... je peux écrire et faire le dessin en dessous et continuer à écrire. Et il doit sortir vraiment très vite. Mais après, j'ai le dessin que j'ai appris académique dans les écoles d'art, où là, si je m'applique, je peux vous faire des trucs qui ressemblent à des trucs. Mais c'est juste que ça m'intéresse pas. Je veux des personnages qui soient hyper vivants, qui bougent bien, enfin, qui bougent beaucoup, et on comprenne leur intention. Et puis qu'ils aient l'air un peu débiles, enfin un peu tous hallucinés, parce que c'est aussi une manière de dire on se prend pas au sérieux, on est... On ne fait pas une thèse, on est là pour aussi se détendre, quoi. Un dessin qui se rapproche un peu du dessin de presse, finalement. Ouais, pas loin. Dans la rapidité, oui. Après, non, ça dépend des dessins de presse. Mais oui, c'est plus proche du dessin de presse que vraiment le dessin, j'ai presque envie de dire, fascinant. Enfin, où chaque case, c'est une épreuve de force, quoi. C'est pas trop mon truc. On disait tout à l'heure que tu as commencé par illustrer des livres jeunesse.
Et c'est à ce moment-là aussi que tu lances le blog Professeur Moustache, qui ouais. va donner la série Tu seras moins bête. Tu mourras moins bête. Tu mourras moins bête. Oh, c'est un peu pareil. C'est ton espace de liberté, finalement, ce blog. C'est la grosse récré. Enfin, c'est même le défouloir. Je pense que je pense que j'avais une mauvaise image du livre jeunesse parce qu'on croit à tort que c'est une version plus édulcorée de ce qu'on dit aux adultes. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est même encore plus difficile de s'adresser aux enfants, c'est encore plus futé. Mais moi, j'étais trop brutale en fait. Je pense que dans mes blagues, etc., c'est pas trop ce qu'on me demandait en dessin, donc je me défoulais pas mal parce que je suis un peu barjot. Et puis je voulais m'amuser en dessin aussi. C'est vrai que on a peu l'occasion de dessiner des foies ou des têtes découpées ou des trucs, des bras, dans les livres pour enfants. Et moi, je voulais vraiment aller dans le brut, vraiment montrer le brut de pomme, quoi. Parce qu'au départ, c'est un espace de liberté, mais j'imagine qu'avec le succès du blog, le succès des ventes, il y a quand même une pression, y compris scientifique, qui commence à te tomber dessus. Ah ouais, alors là, je me suis dit, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut faire attention. En plus, avec Internet, etc., il y avait plus de... C'est venu un peu, attention, les fake news, et je ne veux pas du tout participer à dire une grosse bêtise. Donc j'essaye de... Petit à petit, j'ai travaillé aussi avec des chercheurs... je fais relire ou je passe un coup de fil où je mets absolument les bibliographies parce que je peux reconnaître si je me suis trompée. Là, je sais que je me suis trompée sur certains. Ça, parce qu'entre-temps, les livres sur lesquels je me suis reposée ont été remis à niveau, débunkés, mais je ne le savais pas à l'époque. La recherche a évolué. Maintenant, on a des réponses à des trucs où on n'en avait pas. Donc c'est pour ça que c'est bien de mettre les bibliographies et la date. Et tu penses que tu as acquis une espèce de méthodologie scientifique aussi dans la façon dont tu... Peut-être un peu journalistique, mais scientifique, non, parce que voilà, j'arrive pas à aborder tous les sujets. Enfin, des fois, je comprends, il y a des chercheurs, je comprends pas ce qu'ils font. remarquez, c'est plus comme une démarche de journaliste scientifique, oui, qui va essayer de retranscrire, vulgariser, mais. Mais j'ai pas la patience, je pense, du chercheur qui peut rester 20 ans sur la recherche. Je sais pas comment ils font. Et justement, tu t'es jamais dit, tiens, je vais moi aussi me relancer dans une formation Si, à un moment, si. Je me suis dit que j'avais une telle confiance en moi que je me suis dit que c'était faux, que j'allais me planter. Toujours le même problème. Mais je me suis posé la question, ouais. À un moment. Tu mourras moins bête qu'ensuite. Est adapté, c'était sur Arte, je crois, la télévision, avec ses petits clips. Et donc, Thomas Pesquet, monsieur Thomas Pesquet. Pesquet. Comment, parce que c'est en fait, c'est à partir de ce blog aussi que le ouais. contact se noue avec Thomas ouais, Pesquet, ouais. qui à l'époque, personne ne connaît ou presque, ouais. et qui répond sous un dessin, ouais. Qui dit « je suis astronaute ouais, ». Alors en fait, en début de 2015, en fait, je m'en souviens bien, j'ai fait une BD pour le blog qui parle des... différents problèmes que peuvent rencontrer les astronautes. C'était basé sur un super livre de Marie Roche qui explique que c'est normal que leur cerveau leur dise quand ils sont en sortie extravéhiculaire tu vas crever. Il y a une panique en fait, ça a des noms, c'est l'overview effect. Ils l'apprennent, ils savent que leur cerveau va faire oh, c'est pas normal, ils sont au-dessus d'une planète. Donc au début ils y vont mollo. Il y a aussi des effets quand ils sont en apesanteur où leur cerveau comprend pas la droite, la gauche, le dessous. Donc notre cerveau, quand il comprend pas, il se croit empoisonné, donc il vomit. Ça n'a aucun lien. L'oreille interne panique. Et comme il y a un truc qui cloche, le cerveau fait gerbon. On est peut-être bon, c'est pas on, peut-être qu'on est empoisonné en fait. C'est une sécurité comme ça. Et donc, il y a plein de cas où l'oreille interne... Donc, c'était une BD où ils s'en prenaient plein les dents. Je me moquais de leur côté vraiment viril. Ils sautent par les fenêtres dès le matin. Ils montent sur leur mob. Pourtant, ils gerbent partout, sur toute la BD. Et là, en effet, il y a Thomas Pesquet qui fait... oui, c'est pas mal. J'en sais quelque chose. Je suis astronaute. Et j'avais pas du tout vu. Je l'ai vu
Bien plus tard, quand j'ai commencé à me documenter sur le spatial, parce que je voulais faire une BD sur Mars, en fait, et quelqu'un m'a dit qu'il m'avait écrit, et je ne savais pas qui c'était. En fait, on me répétait souvent son nom au CNES. On me disait, je posais des questions et on me disait, c'est comme notre astronaute Thomas Pesquet. Je sais qui ce mec. Et il s'avère que oui, il connaissait ce que je faisais. Donc là, c'est assez pratique quand vous avez quelqu'un qui dit que bon, il connaît ce que vous faites et qui fait ça et qui trouve ça marrant. Vous vous dites, bon, peut-être qu'il est sympa, peut-être que ça va bien se passer. Donc, de manière à interposer, on a réussi à se rencontrer. Et c'était l'époque où c'était marrant parce que il avait une aura d'astronaute sans avoir encore volé, mais pas encore connu. Et je pense que j'étais plus connu que lui, j'avais plus de followers à l'époque. Mais c'est vraiment. Et là, on a commencé à. J'ai commencé à se dire non, mais après lui, ça venait aussi un peu de lui parce qu'il m'a dit si tu veux, ce serait bien de faire un truc de là-dessus. Tu vas à Cologne et tout, donc c'est marrant comment ça s'est fichu. Et après, bon an, mal an, comme ça, j'ai fait on peut continuer. Et donc, on se rendait pas compte, moi je me rendais pas du tout compte qu'il allait devenir une star énorme, quoi. Et c'est assez marrant de voir le truc gonfler évoluer. Mais c'était vraiment au départ, tu me fais marrer. Et moi, j'étais en mode votre métier, c'est n'importe quoi, et voilà, ça a donné la combi de Thomas Pesquet. Mais heureusement, je pense que j'y serais moins les franco s'il n'avait pas eu assez d'humour pour dire ça me fait marrer de voir des comment tu dessines des astronautes pas dans le meilleur état que voilà. Mais de fait, c'est un métier, mais on pourrait faire 4 tomes, quoi. C'est pas possible. Mais après, c'est aussi un point de vue, parce que moi, je suis une grosse anxieuse. Je suis auteur de BD, quoi. Mon job, c'est rester enfermé, si possible, sur des planches de dessin. Des fois, on me sort et on me met à la lumière avec des gens qui me posent des questions. Et là, vous suivez quelqu'un qui a un fonctionnement, mais radicalement opposé, quoi, qui est une tronche que vous n'avez jamais été, qui est l'anxiété, il connaît pas trop, il dort bien, c'est carré, quoi. Et moi, tout au long du projet, je me disais, mais comment il fonctionne, comment on peut avoir envie de monter dans un missile comme ça. Moi, je voyais la fusée, moi, je pensais anxiolytique, smecta, je sais pas. Et eux, ils ont envie, quoi. Ils ont envie d'y aller, ils ont envie d'aller loin, vite. En plus, j'apprenais à conduire à cette époque-là. Donc déjà, rouler à 50 à l'heure, c'était terrible. Et eux, ils voulaient aller à beaucoup plus vite, à 400 000 à l'heure. Je comprenais pas. Donc c'est aussi ça aussi que ça raconte. C'est pour moi, c'est un métier incroyable. Enfin, je n'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionne le cerveau d'un astronaute. Je comprendrai jamais, je crois. Tu viens de dire, on pourrait faire 4 tomes. Il y aura une suite. Est-ce que les 540 000 personnes qui l'ont déjà... ils veulent une suite. Allez. Non, je lui ai demandé s'il va sur la Lune, je peux le suivre. Il me fait OK. Moi, je pensais même pas. Je fais ouais, d'accord. Et moi, je commence à me stresser. À faire, la Lune, quand même. Il me fait, super enthousiaste, la meuf. Non, mais j'étais, là, c'est la Lune. N'importe quoi. Des fois, je me dis, un jour, il faudrait que je raconte les coulisses, parce que c'est quand même pas banal de se retrouver à suivre... à se greffer à des équipes de tournage ou des journalistes et de se retrouver à aller à Baïkonour qui est au Kazakhstan alors que je suis vraiment pas une aventurière. Vous êtes en plein désert à regarder des astronautes posés devant des fusées qui sortent de hangars qui ressemblent à Tchernobyl. Enfin, tout est absurde. Vous faites, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous êtes après à la NASA? À la NASA, il fait 28 degrés. Dans des locaux, vous croisez des vieux qui ont dû connaître Armstrong et tout, lui taper dans la. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est hallucinant. Que c'est des gens sont partis sur la Lune. Votre cerveau a du mal à faire le lien entre vous et l'histoire. Donc il y a aussi ce rapport un peu étrange. Le projet était bizarre, quoi. C'est ce qui fait aussi sans doute que tes livres marchent bien, c'est la dimension humour que tu mets derrière tout ce côté scientifique. Parce que là, on n'a pas beaucoup insisté, mais
On rigole aussi beaucoup en... Oui, et puis en fait, on aurait pu faire plein de trucs aussi sur la science qu'ils font dans l'espace, mais là, il aurait fallu beaucoup de place. J'ai eu du mal. En fait, je trouvais ça frustrant. C'est difficile de résumer ça. Des fois, quand j'entends à la radio, alors, vous faites quoi dans l'espace? Vous avez 30 secondes chrono. Moi, j'ai été avec des ingénieurs qui ont essayé de m'expliquer une toute petite partie de fusion machin qui est dans l'ISS. J'ai pris 3 heures à essayer de comprendre comment ça marche. Et eux, c'est un des trucs qu'ils apprennent. C'est un tout petit détail pour eux. Donc, c'est long, ça prend du temps, ça prend de la place. Mais on essaye au moins de donner un peu l'essentiel. Moi, je voulais que ce soit très corporel comme BD. En fait, comme c'est... moi, je pense qu'on est profondément... c'est idiot. On nous fait croire qu'il y aura un plan B sur notre planète, mais on est très... On a évolué, notre biologie a évolué pour la gravité, en fait. Et on est fait pour vivre la tête vers le haut, les pieds en bas, sinon on n'est pas bien. Et en fait, je voulais que ce soit très physique parce que j'étais face à des gens qui géraient bien psychologiquement. Tout le monde travaille à y aller, il n'y a pas de problème. Donc je me dis, en fait, la seule faille, c'est qu'ils ne savent pas comment ça va se passer corporellement. Ils ne savent pas s'ils vont supporter, ils ne savent pas s'ils vont faire des œdèmes. Il y a des astronautes, on voit moins d'images à certains moments parce qu'ils sont juste gonflés comme ça. La médecin spatiale me disait que certains, c'est tellement stressant pour le corps. Ils sont, même par exemple, ils sont beaucoup irradiés. Ils sont irradiés presque autant qu'un travailleur du nucléaire en cas d'accident, je crois, enfin, je sais plus. Le corps, il refait de l'acné, par exemple. Il y en a, ils refont de l'acné. Donc, ils ont des médicaments, si jamais ça revient, des zonas. Donc, vous imaginez, un truc avec des boutons partout. Donc, ils savent pas comment ils vont gérer ça, s'ils vont être malades beaucoup. Il y en a un, il est connu pour avoir été tellement malade dans l'espace que maintenant, à la NASA, c'est le référent. Enfin, il teste tous les médicaments de gerbes, en fait. Mais il n'y est pas arrivé. Et donc, c'est très corporel. Je voulais que ce soit montré que c'était dur, en fait. Et Thomas, en fait, il voulait aussi montrer que c'était dur parce que lui, il est toujours présenté en héros. Enfin, il est plus doué que la moyenne, mais il voulait aussi montrer que c'était pas si facile, en fait, que lui, pour l'avoir vécu. À son retour, il dit, pour s'allonger, vous vomissez 4 fois, quoi. Pour vous tourner, vous vomissez, ou pour vous allonger, vous vomissez. Et si vous vous retournez, vous revomissez. Donc l'oreille interne est bousillée. Et quand à côté, vous avez cette image de tout est facile pour lui, etc. Alors que vous avez le système cardiovasculaire qui fait n'importe quoi, vous tombez dans les pommes, vous n'avez pas le droit de conduire parce que les gars, ils sont au volant, puis tout d'un coup, le stop, il croit qu'il est à gauche ou à droite. Enfin, ou pendant un moment, des fois, les astronautes, ils prennent leur verre et ils le lâchent comme ça. Ils lâchent des trucs, leur brosse à dents, mais faut ranger les trucs, quoi. Faut se lever, des choses comme ça, et donc ils montent des escaliers accompagnés. Donc c'est physiquement, on en parle peu, mais ils prennent cher. Et moi, ça m'agace un peu parce qu'on nous fait croire qu'on va terraformer d'autres planètes, qu'on va pouvoir y vivre, mais je sais pas si vous avez vu Scott Kelly qui restait un an dans la station spatiale. Si vous regardez les interviews après, il a pas de chaussures. En fait, il a eu mal, hyper mal, longtemps parce qu'il avait plus de cornes aux pieds et il avait de la peau de bébé, quoi. Donc il marchait, il retirait ses chaussures. C'est un détail, mais il y a plein de trucs comme ça qui montrent que même un an, on n'est pas fait pour, quoi. Donc voilà, c'était aussi montrer que c'était pas si facile. Bon, alors pour eux, je sais pas le niveau de facilité, mais j'ai trouvé que c'était dur, quoi, ce qu'on leur demandait. J'ai vu des entraînements où ils se font électrocuter les jambes pendant 2 heures, donc faut être patient, quoi. tout le monde croit que vous êtes dans un avion de chasse à faire des loopings. En fait, vous êtes allongé, il y a trois médecins qui vous charcutent la jambe et vous devez être très patient. Il a lu la demande perdue, Thomas Pesquet? Ah, ben je lui ai envoyé, mais je sais pas s'il a reçu, vu qu'il est en promo partout. Il faut qu'il aille à la poste de je sais pas où, donc je sais pas s'il l'a reçu, il faut que je lui demande. On lui demandera. Ouais, d'accord, il va être content de la dédicace que je lui ai faite. Nous, en tout cas, on l'a lu pour certains. J'espère que vous a donné envie de le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Merci beaucoup, Henri Montaigne, d'avoir participé à cette rencontre. Merci beaucoup à vous. Merci.
et à vous de nous avoir suivis en ligne.